Bye for them. Bonjour et bienvenue au Café Spirituel sur Radio Libre en Périgord 102.3. Effondrement, collapsologie, fin de la civilisation, l'idée que nous disparaissions bientôt occupe de plus en plus les esprits. Face à ce scénario, certains se réfugient dans le déni, d'autres se préparent. Christian Tarpin est de ceux-là. Non pas qu'il se construise une forteresse ou qu'il s'entraîne tous les dimanches au tir, mais lui a choisi de régénérer la Terre. Car c'est un expert du vivant. Aujourd'hui, il va nous faire découvrir comment une autre agriculture, l'agriculture régénératrice, est possible et peut répondre aux défis qui s'annoncent. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour, bonjour Jean-Charles. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Christian, tu as vécu jusqu'à très peu de temps en Inde. Te voici aujourd'hui en Périgord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours de Auroville à Périgueux. D'Auroville à Périgueux, ça a été assez simple. J'ai globalement pris l'avion. C'est une décision qui est récente, mais qui, on va dire, se préparait depuis quelques mois, voire années. J'ai passé 10 ans à Auroville. 10 années qui ont été extrêmement riches, où j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai encore plus qu'appris beaucoup de choses, je pense que je me suis retrouvé. C'était 10 années importantes. Pour que les auditeurs puissent se situer, j'ai aujourd'hui 60 ans pour arrondir. Et j'ai basculé à Auroville en 2010. J'avais 50 ans après 25 ans de carrière, on va dire, en France. Exercé dans le monde de la mobilité. Je suis ingénieur des ponts et chaussées et urbaniste de formation. Voilà. C'est ça. Avec une formation très technique. C'est à toi qu'on doit les GPS si précieux, sans petite route. Voilà. Les messages lumineux qui vous disent combien de temps vous allez mettre, les machins comme ça. C'est là-dessus que j'ai travaillé dans les années, fin des années 80, 90. Donc j'étais vraiment pionnier dans ces domaines. Je me suis éclaté parce que j'adorais la technique. Je suis vraiment ingénieur dans l'âme aussi. Je ne renie pas cela. Mais disons que la crise de 2008, et plus encore que la crise, la réaction de la technostructure et des élites françaises à la crise, m'a convaincu que nous étions gouvernés par des imbéciles et qu'il n'y avait absolument plus rien à faire dans ce pays, à ce moment-là du moins. Aujourd'hui, j'ai un peu changé d'avis. Et donc, en 2010, j'étais vraiment un peu au bout du rouleau de ce que je, voilà, ce que je pouvais faire, ce que je pouvais donner en France. Et les portes sont claquées en France, et c'était ouverte en Inde, vraiment par hasard. On peut en parler si tu le souhaites. Donc voilà, je suis parti à Auroville. Parce que tu n'es pas allé n'importe où en Inde. Auroville, c'est quand même une cité particulière. C'est quand même quoi précisément Auroville, ah, si oui. on doit le définir, oui, bien parce qu'il y a ceux qui connaissent et puis il y a ceux qui connaissent moins comme moi. Auroville, c'est très difficile à définir. Donc, je ne vais pas essayer d'être exhaustif et on pourrait passer, je pense, des heures à débattre là-dessus. C'est une, on intitule ça une communauté. Alors, je ne suis pas très sûr qu'on ait constitué une communauté dans le sens où on ne met pas assez de choses en commun, à mon avis. Mais par contre, on a vraiment constitué une société avec tous les défauts qu'ont la plupart des sociétés humaines, d'ailleurs. Mais une société qui est quand même basée sur des prémices ou des fondations un peu différentes et beaucoup plus intéressantes, à mon sens, que celles qui gouvernent, on va dire, la France et les grands États-nations. C'est une petite société qui a été donc lancée, créée par une femme, qui est d'ailleurs française de nationalité, qui s'appelle Mira Alfassa, qu'on nomme affectueusement la mère, et qui était la compagne de Sri Aurobindo, un grand sage indien, qui a à peu près les mêmes dates que Ramana Maharshi. C'est-à-dire qu'il est né en, il est né à la fin du 19e siècle, et il est mort en 1950. Sri Aurobindo a été un des principaux acteurs, en fait, de l'indépendance de l'Inde. Il est beaucoup oublié parce qu'il a été éclipsé par la personnalité de Gandhi.
Mais en fait, c'est lui qui a vraiment, on va dire, semé les graines de l'indépendance au tout début du XXe siècle. Il a fait de la prison, il a failli être exécuté par les Anglais, mais a eu une forme de révélation et a fondé finalement, après plein de turbulences dans sa vie, a fondé avec Mère, Mira Al-Fassa, qu'il avait rencontré en 1920, quelque chose peut-être, un ashram à Pondichéry. Et c'est à partir de ce noyau constitué par l'ashram de Pondichéry que, en 68, Mère a créé Auroville. Et les fondations d'Auroville, c'est des fondations spirituelles. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas un ashram. Il faut bien voir, ce n'est pas un ashram, ce n'est pas un lieu clos, ce n'est pas un monastère, ce n'est pas un lieu où il y a un maître. Et Mère n'a pas voulu qu'il y ait de maître à Auroville. Elle a également spécifié extrêmement clairement que ce n'était pas un lieu de religion. Il n'y a pas de religion à Auroville. C'est un lieu de travail sur soi. C'est un lieu qui est immergé dans la vie. Auroville, c'est une ville. Donc elle est dans le monde. C'est séculier, c'est le mot en français. C'est une expérience séculière pour trancher avec l'ashram. Donc c'est peut-être pour la première fois une tentative d'être dans la vie, d'être dans le monde, mais non pas sur des bases matérielles, mais sur des bases spirituelles. Le dénominateur commun, le fil rouge devrait être le travail sur soi. C'est une organisation politique qui est basée sur la spiritualité. Alors, il n'y a pas d'organisation politique, précisément. Elle a souhaité qu'il n'y en ait pas. Les Auroviliens ont tendance à sécréter spontanément, parce que c'est ça que nous connaissons tous, des structures, des groupes, des pouvoirs, des hiérarchies, etc. Mais Mère, toute sa vie, s'est battue contre ça. Et a dit non, restez souple. Et d'ailleurs, la gouvernance formelle d'Auroville, c'est qu'il n'y en a pas. La seule entité légale qui est pouvoir de décider pour Auroville, c'est l'Assemblée des Auroviliens. Il n'y a pas de délégation à Auroville. Est-ce qu'il y a des pratiques ? Et malheureusement, non. Mis à part la mienne, que j'espère avoir l'occasion de vous raconter, parce que c'est comme ça, que j'ai, moi, trouvé ma voie à Auroville. Mon yoga, moi, ça a été de reprendre une ferme. Voilà. Tu vas nous expliquer. Cette ferme s'appelle Orchard. Oro Orchard. Oro Orchard. Orchard, en français, prononcé à la française. Ça veut dire le verger. Orchard, c'est le verger en anglais. Mmh. Et Oro, comme Auroville, comme Sri Aurobindo, ouais. C'est le verger d'Auroville. Pardon. Alors, qu'est-ce que tu as fait dans ce jardin ? Que dire ? Oro Orchard est une ferme qui... en fait, c'est la ferme historique. C'est la ferme amirale d'Auroville. Elle a, en fait, été voulue, créée par Mère avant même la création d'Auroville. Elle a acheté ses terres en 65 de mémoire et elle a confié cette ferme avant la création d'Auroville à un ashramite qui s'appelle Gérard, un Suisse roman, un vaudois, qui était à l'ashram depuis 55. Et elle lui a, un beau jour de 1967, elle lui a demandé « Gérard, est-ce que tu es au courant que je veux créer Auroville ?» Alors, il le savait, évidemment. Là, c'est un point important, elle a dit « si je veux créer quelque chose de neuf, une société d'humains réunis par d'autres liens que les liens matériels, il faudra néanmoins qu'ils mangent, ces gens. » Et donc, elle avait tout de suite pensé à une ferme, elle était extrêmement pratique. Et déjà, ça m'a donné, moi, une indication de connaître cette histoire, de savoir que la spiritualité de Mère, parce que c'est quelqu'un qui était effectivement, on va dire, un peu dans des hautes sphères, n'empêche qu'elle pensait à faire bouffer les gens, ce qui est quand même très important. Voilà. Donc le corps, un pointeur vers le corps. Et Gérard a répondu oui, et il a accepté de devenir le premier fermier d'Auroville. Et elle lui a répondu quelque chose qui a été un peu terrible pour lui à l'époque, elle lui a dit « Très bien, tu auras à nourrir la communauté ». Voilà. Qui à l'époque... Il n'y avait personne, puisque Auroville n'était pas encore créé. Mm-hmm. Et en fait, ils ont été trois ashramites, dont lui, a vraiment organisé l'inauguration d'Auroville en février 68, pour être précis. Voilà. Donc toi, quand tu es arrivé, tu avais déjà des notions d'agriculture ? Pas du tout. Enfin, j'ai toujours eu des jardins, Enfin, pas du tout, c'est pas vrai. Voilà, je ne suis pas fermier de formation, je n'ai jamais été formé à cela. Par contre, j'ai toujours été très proche de la nature, même gamin, j'adorais jouer dans la boue, soulever des pierres, trouver des crapauds. Je suis né au Maroc, donc je vivais dehors, je vivais tout nu dehors voilà, j'adorais ce lien avec la nature. Et puis ensuite, j'ai grandi dans le pays de Gex vers Genève,
Et on avait un grand terrain, et ce terrain, c'était mon endroit, quoi. Tout l'été, je dormais dans une tente. En fait, je passais 4 ou 5 mois de l'année, je dormais dans une tente au fond du jardin, dans le verger, ou sur la paille de mes poules. Je soignais des arbres, je m'occupais de la prairie, voilà, des petits fruits. J'ai 805 ans de volailles quand j'avais 15 ans. Ouais. Donc pour ça, et puis quand j'étais jeune adulte, je vivais à Strasbourg. J'ai même été, alors que je bossais à Paris, j'avais 1000 mètres carrés de terrain et j'étais même autonome en légumes. Tu vois, j'avais mes deux petits-enfants à l'époque, ma petite famille, et j'étais autonome en légumes. Donc c'est quelque chose qui est dans ma vie depuis très longtemps. Et quelque part, j'ai perdu ce fil-là à travers les études, l'impératif de trouver un boulot, de gagner de l'argent, etc. Donc, il y a eu cette fameuse crise qui m'a... D'abord, il y a eu celle de 85, une crise personnelle, puisque je sortais de l'école. Et j'étais quelque part sommé par la société de trouver un boulot, de nourrir ma famille, etc. Et là, je lis cet article de Paris Match qui titre fièrement « Ça y est, l'homme a exploré les derniers recoins de la planète qu'il ne connaissait pas encore ». Chouette. Chouette, hein, et tout le monde était content, c'était victorieux. Et moi, c'était une chape de plomb qui m'est tombée sur la tête. Je sortais de l'école, vous imaginez, j'étais tout jeune. Ouais. Là, et j'aurais... À cet âge-là, on est censé partir vers le monde, on a envie de bouffer le monde, quoi. Et tout à coup, on me dit, ça y est, on a fait le tour. Et je me suis formulé, ce jour-là, je me rappelle, il va falloir gérer ce qu'on a. Et c'est fini de faire les kékés et de bouffer tout devant nous, il va falloir gérer ce qu'on a. Et c'est ce que j'ai essayé de traduire dans mon métier pendant 25 ans, mais je me suis rendu compte qu'au bout de 25 ans, j'ai mis 25 ans à me rendre compte que je m'étais raconté des salades, quoi, et que c'est pas vrai, quoi. Tant qu'on est dans ce système-là, est un système qui bouffe de la ressource naturelle, qui détruit de la ressource naturelle et qui monétise de la ressource naturelle. Et tant qu'on s'inscrit dans ce système-là, on est un destructeur. Voilà. On est un sucker. Les salades, c'est une bonne transition, donc, les salades pour passer dans l'agriculture, donc, régénératrice. Voilà. En français, oui. Moi, je dis souvent régénérative, mais ce n'est pas un mot français. Le vrai mot, c'est régénératrice. Oui, parce que quand tu es arrivé donc, à Auroville, tu n'étais pas formé. Du tout. Tu ne connaissais... Donc, tu as découvert... tu es autodidacte en Je me suis découvert, on va dire. Ta connexion, que tu n'aies jamais perdu ta connexion avec la nature, t'a permis de... Ouais. Quelque chose comme ça. J'ai d'abord été mis dans un service d'urbanisme à Auroville, et pendant 10 mois, 12 mois, je me suis emmerdé comme un rat mort, parce que c'est clairement plus là que je devais être. Hein. Et en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré un monsieur qui est un maître en jardinage, qui s'appelle Bernard Declerc, et qui a fondé un potager conservatoire de graines, qui s'appelle Pebble Garden, c'est-à-dire le jardin de cailloux, le jardin de gravier. Et j'ai travaillé avec lui pendant un an, et dont les premiers 6 mois, c'était toute la fin 2011. Et fin 2011, 31 décembre 2011, on a eu un gros cyclone qui s'appelle Tan, qui nous est tombé dessus, qui a dévasté Auroville. Et puis voilà, j'ai commencé, alors le travail s'est transformé en nature, j'ai acheté une tronçonneuse, et puis pendant des semaines, on a bossé, c'était désespérant, à récolter ce bois qui avait été abattu, contraint et forcé par le cyclone, pour pas qu'il pourrisse, on coupait les troncs, les transportait, etc. Et on était franchement déprimés. Et je me rappelle que mi-février 2012, un beau jour, il me dit, Christian, il est âgé, hein, Bernard, il me dit, je suis vraiment fatigué, j'en ai marre, viens, on va aller saluer mon ami Gérard. Et je lui dis, mais c'est qui Gérard? Je connais pas. Il dit, mais Gérard, tu connais pas, c'est le fermier de Rothschild. Alors je dis, mais c'est quoi, Rothschild? Et il me dit, mais enfin, quoi, Rothschild, c'est la première ferme d'Auroville. J'étais complètement ignorant à l'époque. Il m'emmène là, c'était pas très loin en plus. On passe la grille et je suis vraiment tombé amoureux de ce lieu. Voilà. Je suis tombé amoureux du lieu, je suis tombé amoureux de ce monsieur, Gérard, de sa compère dans cette aventure qui s'appelle Biti, qui est une vieille dame indienne. Il avait 81 ans déjà à l'époque, elle 60, je ne sais plus combien, mais enfin pas mal, 73 ans peut-être. Et voilà, j'ai admiré leur intégrité morale, j'ai admiré leur stature. Le lieu était dévasté, mais j'ai senti que c'était mon lieu. Et en fait, voilà, je me suis investi progressivement, j'ai appris pendant 6 mois déjà, je me suis mis dans les pas de Gérard à essayer de comprendre ce qu'il faisait. Et puis en octobre 2012, en fait, j'avais repris la responsabilité des légumes. Et là, il s'est passé un truc très fondateur aussi. C'est qu'un jour, j'ai assisté à une culture de concombres, vous allez tout savoir. Et ils avaient mis tellement d'engrais
l'équipe indienne qui avait compris que quand on mettait des poudres magiques, ça marchait mieux. Ouais. Ça avait mis tellement d'engrais qu'en fait, ça avait fleuri d'algues vertes comme sur les plages bretonnes. Mmh. Et ça, ça a été un choc. Mmh. Voilà. Ben écoute, tu vas nous raconter la suite juste après cette première pause musicale. Ouais. On écoute Chaurasia. Christian Tarpin, qu'est-ce que l'agriculture régénérative ? C'était une nécessité. Quand j'en suis arrivé à ce fameux jour où le champ était fleuri d'algues vertes, puantes, gluantes, j'ai piqué une grosse colère. Ça a été ma première réaction, c'est de passer au bio. J'ai couru vers le bureau et j'ai dit « Gérard, Bitty, il y en a marre, on arrête ces conneries, pardonnez-moi. Mmh, mmh. Et on passe en bio, sinon moi j'arrête, je peux pas. » Et donc je suis passé en bio. Et puis en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que la terre était tellement abîmée en fait, par plus de 40 années de mauvais traitements en fait, par une agriculture chimique. C'est pas tellement la chimie d'ailleurs qui l'avait maltraitée, c'est surtout le fait de la laisser nue. Et de négliger le sol. Et j'ai tout à coup vu, c'était une espèce de révélation qui est venue doucement en 2013-2014, qui s'est consolidée, que ma ferme, c'était en fait une espèce de microcosme de la planète. C'était comme une représentation de la planète. En plus, le sol de cette ferme, c'est une terre rouge qui est très typique des sols tropicaux. Il y en a plein des sols comme ça sur Terre. Et c'est des sols, il y en a en Afrique, il y en a en Amérique latine. Et c'est un vrai enjeu pour la planète que de savoir vivre avec ces sols-là, même s'ils sont pauvres. Et ça m'a frappé que j'étais en fait en charge d'un soin. Plus que d'arrêter de faire du mal, il fallait que je fasse un autre pas qui était beaucoup plus grand, beaucoup plus loin, qui était non seulement d'arrêter de faire du mal, mais de soigner. Voilà. Et après, j'ai élaboré un plus. D'abord, j'ai cherché sur Internet et j'ai fini par trouver qu'en fait, il y avait des gens qui avaient déjà pensé ça, notamment le Rodale Institute aux États-Unis qui avait défini l'agriculture régénérative, regenerative organique, on dit en anglais, en 85 par là, dans ces eaux-là.
Et j'ai dit, ah, ben voilà. La famille Bourguignon aussi, mais c'est peut-être plus tard. Alors, la famille Bourguignon, je la connaissais effectivement. J'avais déjà creusé le sujet. Et en fait, en parallèle, et je suis même allé les voir au début, hein, je crois que c'était en 2014-2015, je suis allé à côté de Dijon, là où ils sont, et j'ai passé une après-midi avec eux pour discuter. Pas tellement je ressentais le besoin de comprendre, voilà. Donc je me suis formé, effectivement, tu dis, oui, c'est une forme d'autodidacte. Je me suis formé au contact de gens comme les Bourguignons. J'ai lu énormément, écouté du Fumier, j'ai écouté tous ces gens-là, quoi. Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, évidemment. Pierre Rabhi, voilà, que j'avais invité quand j'étais en service civil là, en 85. Oui, Pierre Rabhi m'a beaucoup influencé. Et c'est pour ça, mais j'utilise le terme de régénératif plutôt qu'agroécologie, plutôt que permaculture, plutôt que plein d'autres termes, parce que régénératif, au moins, ça dit ce que ça fait. C'est très précis, c'est pas idéologique. Et ça se réfère à ce mouvement d'agriculture régénérative qui, contrairement à l'agroécologie et contrairement à la permaculture, est un mouvement qui est implanté dans le monde agricole et qui influence le monde agricole, au moins aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des exploitants qui nourrissent des populations en suivant ces règles, ces méthodes régénératives. Alors ça dit ce que ça fait, mais ça fait, enfin, le mot donne une idée de ce que ça peut faire, mais précisément. Alors, précisément, globalement, ça, je pense que la dominante, c'est de réintroduire le sol. Le sol est le grand oublié, en fait, de l'agriculture, mais pas que de l'agriculture, de toutes nos vies, en fait. Je crois que l'émergence de nos capacités mentales chez l'homme nous ont entraînés vers le haut, quelque part. Nous ont attirés vers le haut, vers la pensée, vers l'abstraction, vers le concept, et qu'on a un petit peu oublié la terre sur laquelle on marche. On n'est plus ancré. On n'est plus ancré, voilà. On n'est plus ancré, et en fait... alors, ça va être dur à résumer, mais... Je crois que l'être humain, en plus, a ému par des motivations intérieures qui sont très étroites, finalement, et très égoïstes. C'est globalement d'abord de manger. Mmh. Et donc, on s'est focalisé sur la plante, parce que c'est la plante qu'on mange. Et quand ce n'est pas la plante qu'on mange, quand on mange l'animal, en fait, l'animal, il a mangé la plante. Donc, globalement, on s'est focalisé sur la plante, et nous, on est des animaux, on mange des animaux. Donc, c'est animaux-plantes. Voilà, on a fait un système avec les animaux et les plantes. Et bien, vous voyez, il y en a un qui manque. C'est le sol. Alors que l'alliance sacrée, l'alliance de la vie sur Terre, qui fait que la vie se développe sur Terre, elle comporte trois termes. Et vous ne pouvez pas en enlever un. Et s'il fallait en enlever un, ce serait les animaux, mais pas le sol. La vie sur Terre a démarré par des plantes. Les plantes ont permis l'émergence d'un sol. Sol et plantes marchent très bien ensemble. Les animaux rajoutent un plus. Mais plantes et animaux seuls, ça ne marche pas. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sur la planète. Ça ne marche pas. On tue la fertilité et on ne récolte pas l'abondance. Et alors, dans cette agriculture régénératrice, l'objet, c'est de ne pas avoir d'intrants, mais de ne pas prélever, enfin de redonner ce qu'on prend. Voilà. Globalement, le mouvement, c'est de cesser d'être un sucker, de cesser d'être un parasite et de devenir un provider, de devenir un contributeur. Et sur tous les plans. Mais pas qu'en agriculture, c'est aussi vis-à-vis de tes salariés, vis-à-vis des volontaires que tu accueilles à la ferme, vis-à-vis de toi-même, déjà pour commencer, au niveau des prix que tu pratiques, vis-à-vis de la terre. C'est arrêter de prendre, c'est ce que je disais à propos de la motivation basique de l'être humain, c'est j'ai faim, je veux des plantes, voilà. Donc je développe tous mes savoirs, toute ma science dans le sens de booster la croissance des plantes. Mais... comment la nature, l'environnement se porte avec tout ça, je m'en fous. Voilà. Et ben, quand on suit ce cheminement-là, et ben voilà, des découvertes comme celle de Liebig au XIXe siècle, que les plantes mangent des éléments minéraux, principalement azote, phosphore, potassium, conduisent à ce que finalement on développe une agriculture qui est exactement basée sur le modèle d'une bagnole. C'est-à-dire, l'agriculture, c'est comme on nourrit la plante avec du NPK, azote, phosphore, potassium, elle pousse, on la mange, on est content. De même que ta bagnole, tu mets de l'essence dedans, elle roule, t'es content. Voilà. C'est une façon d'objectiver l'environnement. Oui, alors tu parles de NPK et tu parles du sol. Moi, j'aime bien les mots, et sol, pour moi, c'est le sol, effectivement, avec NPK. Mais ça ne se nourrit pas que ça. La photosynthèse, ce n'est pas fait pour les chiens. Alors, justement, la photosynthèse est la source de l'abondance. Et on retombe sur le sol, soleil. Soleil, absolument.
Absolument. Il faut comprendre que nous vivons dans une abondance absolument incroyable sur Terre. Et cette agriculture industrielle dont nous dépendons aujourd'hui a réussi à construire un système de rareté. Et par exemple, de convaincre les agriculteurs qu'il fallait acheter de l'azote en sac pour nourrir des plantes. Hein, voilà, et que c'est ça qui faisait pousser les plantes. Non, c'est pas vrai. Comme l'a dit Dominique, les plantes, elles poussent grâce au soleil. Elles poussent à la base pas grâce à l'azote. Hein. Et secondo, l'azote qu'on croit si rare qu'il faut l'acheter en sac, mais vous savez où est le réservoir de l'azote ? Est-il rare ? Mais l'azote, c'est 78% de l'atmosphère. On nage dedans, mais c'est d'une abondance incroyable. Et il y a des agents naturels qui savent très bien fixer cet azote de l'atmosphère et la rendre disponible dans le sol, ce sont des bactéries. Ces bactéries, elles existent en masse par milliards de milliards de milliards dans le sol, et pour qu'elles soient là, il suffit de laisser le sol vivre. Si le sol est vivant, les bactéries... Et je suppose de le laisser couvert aussi, justement, alors, pour voilà. qu'il se dessèche, alors, etc. Effectivement, Jean-Charles me posait la question très pratiquement de la méthode. Vous allez voir, c'est bête comme chou. Globalement, ça consiste, un, à nourrir le sol, deux, à le protéger. Et ça, le paillage, on dit en français, le mulching en anglais, ça pourvoit aux deux besoins. C'est-à-dire que quand vous paillez un sol, vous le couvrez, donc vous le protégez. Donc la vie du sol peut se développer parce qu'elle est abritée. Et le sol, c'est un être vivant comme vous et moi. Vous préférez avoir un toit sur votre tête, hein, quand il fait trop chaud ou trop froid. Il vaut mieux avoir un toit. Et bien le sol, c'est pareil. Vous le couvrez. Secondo, vous avez besoin de boire. Tout ce qui est vivant doit rester humide, n'est-ce pas ? Bien le sol, c'est pareil. Quand vous le couvrez, vous évitez l'évaporation, il reste humide et les bestioles sont contentes. Secondo, qu'est-ce que ça mange le sol ? Ben, ça mange pareil que vous. Vous aimez les cornflakes, ça vous donne de l'énergie. Ben, le sol, c'est pareil, hydrate de carbone. Exactement pareil. Je dis, moi, aujourd'hui, que le sol est un être vivant. Et qu'on apprend des choses erronées aux enfants à l'école. On leur dit, il y a le règne animal, le règne végétal. Faux, faux, faux. Il y en a un troisième qu'il faut citer. Si on ne le cite pas, il y a tout qui se casse la gueule. Le troisième, c'est un drôle de règne animal, mais il existe, c'est le sol. L'humus, enfin, voilà. L'humus. C'est ce qu'on appelle l'humus vivant. Hein, voilà. Oui, l'humus vivant qui a cette même racine que l'homme, en fait. Hein. Exactement. C'est, l'homme, l'humus, c'est comme dit Pierre Rabhi, je crois, il dit homme, humus, humidité, humilité. En fait, c'est très beau, ça. C'est très beau. C'est quatre racines qui sont communes. Et alors, en quoi cette agriculture régénératrice, ou d'autres, peuvent-elles être une voie spirituelle et permettre... à l'homme d'être dans un chemin de développement et d'accéder à... De multiples façons. Déjà, tout simplement, par la vertu de l'action et du mouvement du corps. Parce que cette agriculture-là vous oblige, en fait, ne vous permet pas, en fait, de produire en vous protégeant du sol. Aujourd'hui, un agriculteur, un exploitant agricole, c'est même pire que ça, voilà, il s'intitule exploitant agricole, voilà, et ça s'emmerde dans son tracteur en écoutant RTL et en labourant des hectares. Il fait du rendement. Il fait du rendement guidé par son GPS, voilà. Et il est coupé du sol par son tracteur, et ce qu'il fait, c'est... Voilà, il conduit son tracteur. Bon. Dans l'agriculture que j'ai pratiquée là-bas, c'est une agriculture manuelle. On ne mécanise pas, et donc on travaille avec ses mains, on engage son corps. Et déjà en soi, c'est un travail sur soi. C'est un yoga de posture. Simplement, vous êtes accroupi, vous êtes proche du sol, vous touchez des plantes, vous sentez des plantes, il y a plein d'odeurs hein, aussi. Oui, c'est une mise à la terre, c'est une reliance, c'est une mise à la connexion. Exactement, c'est une reconnexion à la terre, absolument. Non, moi je pense que c'est important, oui, c'est ça, en fait, le côté spirituel, c'est dans toute démarche, c'est vrai qu'il faut faire le lien entre tous les règnes, hein, ça va jusqu'au minéral, hein, dans ce sens-là, et puis après, les règnes supérieurs, on en parlera une autre fois. Mais bon, minéral, végétal, animal, nous... ici, c'est la déconnexion qui a fait qu'on est dans les troubles dans lesquels on se trouve aujourd'hui, je pense. Je pense aussi. Et mère, en fait, quand elle a donné ses instructions à Roville, a été extrêmement précise. Elle a dit, il faut que vous appliquiez votre conscience dans la matière. Et elle a même imposé que le plus gros de nos journées soit passé à ça. Et c'est un des gros reproches que je fais à Roville, et c'est une des raisons pour laquelle je suis parti, c'est qu'en fait, ça n'a pas été intégré, ça. La communauté dans son entier ne l'a pas intégré à travers des pratiques qui soient partagées assez largement dans la communauté pour que ça puisse faire masse critique et entraînement. Mais c'est vraiment ce que moi j'ai essayé de faire dans ma ferme. C'est que ce soit une pratique, que ce soit un engagement du corps et que nous appliquions notre conscience dans la matière.
Alors, la dimension conscience, elle vient de... Alors, je retourne l'humilité, c'est faire silence, essayer de comprendre comment la nature procède, s'ouvrir à comprendre. Voilà. Et s'ouvrir à comprendre les forces de la nature et les respecter dans ta pratique. Comprendre que ben, ça ne sert à rien, des fois, de désherber. Et qu'il vaut mieux laisser la planche sale. Et parce que le sol va être couvert, parce qu'il va se soigner comme ça. Comprendre, par exemple, que lorsque tu as été obligé de dénuder une terre, et ben, les plantes qui viennent spontanément, les premières, en fait, c'est assez extraordinaire à observer, et je l'ai vu mille fois, ce sont les plantes les plus soignantes pour le sol. Comme si, quelque part, plantes et sol étaient dans une relation de coopération permanente et d'intelligence collective. C'est extraordinaire, ça. La fonction crée l'organe ou la maladie crée le médicament. Alors, on reviendra sur le... Sur j'ai plus à dire sur la dimension travail spirituel. Parce et notamment, plus important que ça. Sur le masculin et le féminin, parce que là, je suis intrigué. Oui. Après la pause musicale. Oui, on écoute un chant taïwanais pour la germination du millet. Waouh. La croyance en la rareté est responsable de beaucoup, beaucoup de nos problèmes, finalement, aujourd'hui, puisque ça nous conduit à des actes un peu désespérés et à courte vue. Toi, tu nous parles d'abondance, Christian. Ah oui, j'ai vraiment fait l'expérience de l'abondance en étant infirmier. Et il y a un chiffre que je veux citer parce qu'il est bluffant. Je trouve, c'est le... Est-ce que vous savez combien de temps de soleil la Terre a besoin pour recevoir la quantité d'énergie que l'humanité entière consomme en une année? Moi, je le sais, parce que tout à l'heure, tu le calculais, mais je ne vais pas le dire. 5 secondes. Ouais, bon, et souvent, les gens à qui je pose la question disent « quelques semaines, quelques mois, etc. » Or, je crois que c'est... Alors, j'hésite entre 5 minutes et 5 secondes. Et tout à l'heure, sur ma table, tu m'as vu, Jean-Charles, j'y croyais pas, je l'ai refait, j'ai retrouvé 5 secondes. C'est guerre. C'est rien du tout, quoi. C'est un claquement de doigts. Et là aussi, j'ai cité le chiffre pour l'azote, mais je pourrais le citer pour plein d'autres, comment dire, paramètres d'abondance. Mais en tout cas, le paramètre énergétique, il est incroyable, quoi. Je veux dire, voilà, le budget énergétique de l'humanité pour une année, c'est 5 secondes de soleil. Si on revient à la reconnexion et... Alors ça, tu le sens, justement. La reconnexion, quand tu travailles la Terre et que tu vois la générosité de la Terre, comment ça pousse, ce que ça donne, eh ben, le sentiment de reconnexion, il te vient spontanément. Voilà. Et tu n'as pas besoin d'intellectualiser, c'est une expérience du corps. Parce que tu t'es engagé avec tes mains, avec ton corps. Parce qu'on fait le lien, on est cette barre verticale, là, sur le sol, sous le soleil. Voilà, exactement. Et alors, c'est aussi pour ça que c'est important de réintroduire le sol, parce que regardez bien comment on est foutus, les trois, là. Le sol, il est dans le sol, il est que dans le sol. Le sol n'a pas la capacité à aller dans le monde aérien. Nous, animaux, on habite le monde aérien. On n'a pas la capacité à aller sous le sol. Et il y a des êtres hybrides fantastiques, des êtres, des passeurs, les plantes, qui ont des racines dans le sol, et des branches et des feuilles dans le monde aérien. On a besoin des trois pour que la planète fonctionne. Essayer de supprimer le sol, vous voyez, ça ne marche pas. Déjà, même graphiquement, ça ne marche pas. Mm-hmm. Voilà. Pour ça qu'on a toujours du mal à aller se garer au parking souterrain. Voilà. Et alors... Oui. Et pour revenir alors à cette idée...
en quoi c'est un travail sur soi, en quoi il y a un cheminement spirituel quand on pratique ce type d'agriculture. Eh bien parce qu'en fait, vous passez d'un modèle où on est dans une énergie yang permanente, de faire pousser des trucs, de booster des trucs. Je vous l'ai dit, on met du NPK dans les plantes comme on met du fuel dans une bagnole. Quoi, voilà. Donc on est toujours dans la phase yang glorieuse, la plante qui pousse, la fleur, le fruit qu'on cueille, etc. On est toujours vers la manifestation visible, le solaire, etc. Or, dès lors que vous vous intéressez au sol, vous vous rendez compte que le besoin du sol, en fait, le sol incarne la force yin. La création. La recréation, on va dire. Ou la repotentialisation en vue d'une nouvelle création. Parce que je l'appelle le sol, j'ai fini par l'appeler quand je faisais visiter, je l'appelais the great forgiver, le grand pardonneur. Parce que tout est censé retourner au sol. Dans le schéma de fertilité, dans l'alliance fertile qui a permis la vie sur Terre, vous voyez qu'en fait, les plantes et les animaux sont des êtres manifestés qui croissent, qui se voient dans le monde aérien, etc. Mais leur destin est de mourir et de retourner au sol. Le destin d'un corps humain, c'est de retourner au sol quand il est fini, quand il est mort. Notre caca, il doit retourner au sol. Notre pipi doit retourner au sol. La plante qui meurt, elle retourne au sol. La feuille qui tombe, elle retourne au sol. Tout ça fait nourriture pour le sol. Ça, c'est le manger du sol. Et le sol, sa fonction, c'est de retravailler tout ça d'une manière très obscure, très lente, très humide, très sombre, très yin, finalement, pour réinitialiser un cycle de fertilité qui va permettre à quelque chose de glorieux de repousser. Mais si vous chintez la phase yin, le yang est malade. C'est tout simple. C'est pour ça que, finalement, le symbole du Tao est devenu mon symbole personnel en tant que fermier. Parce que je pense qu'il gouverne. Alors, il gouverne le monde, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, il gouverne certainement, il devrait gouverner l'agriculture, une agriculture respectueuse. Et travailler avec ça, ça veut dire que vous apprivoisez la mort. Mais encore Bien, ça veut dire que vous devez accepter, par exemple, qu'une partie de vos récoltes soit bouffée éventuellement par des parasites. Parce qu'ils ont aussi le droit d'être là, eux. Oui. Ils font partie du grand tout. Ouais. Donc, il y a des plantes qui vont mourir. OK, pas de souci. Il y en a assez pour que je mange, moi. Ça veut dire aussi que vous allez favoriser la mort, quelque part, par vos actions, parce qu'elle a besoin d'être aidée. C'est terrible à dire, mais aujourd'hui, dans notre monde poussé par l'énergie, monde hyper-yang, hyper-masculin, on a besoin d'aider la mort dans ses fonctions. Et par exemple, quand vous faites pousser des plantes à biomasse qui vous produisent des branches, des feuilles, et que vous paillez avec, vous les broyez, vous paillez, vous aidez la mort. Vous aidez le cycle descendant, vous aidez le cycle yang. Et globalement, la Terre a besoin de ça. Et alors, dans une perspective d'effondrement, le fait de revenir, donc d'accepter cette mort dont tu parles, risque de nous sauver la vie ? Je ne formulerai pas comme ça. Je dirais simplement que s'il n'y a pas mort, il n'y a pas de possibilité de renaissance. C'est plutôt ça. C'est qu'il n'y a pas de renaissance possible sans mort préalable. J'ai envie de le redire. Il n'y a pas de renaissance possible sans mort préalable. Et à refuser la mort, on se prive de la renaissance. Pour toi, il y a une renaissance possible ? Là où on en est arrivé. Oh bah oui. Ah bah oui, moi je suis... Écoutez, d'avoir été au contact de la nature et de sa capacité de régénération, moi je suis mais totalement optimiste et même... voilà. Et alors tu es venu apporter l'agriculture régénératrice ou régénérative en Dordogne ? Voilà, je pense qu'il y a des gens qui m'ont précédé, mais j'espère que les permaculteurs sincères, les agroécologistes sincères, etc., ils sont déjà là. Hein. Mais oui, je viens contribuer dans cette direction-là, oui. Sous forme de qu'est-ce que tu vas faire des ateliers, des conférences, tu vas montrer des pratiques. Je suis disponible. Tu te rends disponible. Je me rends disponible pour partager ça, si ça a quelque valeur. Et très concrètement, j'aimerais bien, effectivement, participer à la recréation de communs nourriciers. C'est-à-dire de permettre à certains territoires de reprendre une forme de souveraineté alimentaire. Exactement.
Exactement. Alors moi, à ce stade, j'aimerais bien poser une question sur les personnes aujourd'hui qui prennent soin, qui veulent soigner les blessures qu'ils infligent à la nature. Est-ce que c'est bien possible si on n'a pas au préalable commencer à traiter ses propres blessures? Est-ce que on externalise pas le travail quand on va traiter, on va s'occuper de la nature? J'ai envie de te répondre, Jean-Charles, qu'il n'y a le simple fait que tu parles d'externaliser ou que tu parles de préalable, ça veut dire que tu gardes toujours une séparation, une dualité, moi et le reste, moi et le monde, et tu gardes avant, après, le temps. Or, ça n'existe pas tout ça. C'est simplement que c'est la même chose. En fait, c'est quelque chose... Donc c'est concomitant. En fait. C'est exactement concomitant. Ma nature intérieure, elle se reflète dans la nature extérieure. Et quand je soigne ma nature intérieure, je soigne ma nature extérieure. Et quand je soigne ma nature extérieure, je soigne ma nature intérieure. Ça va ensemble, ça marche ensemble. C'est pour ça que, pour moi, la pratique agricole... Et d'ailleurs, Sri Aurobindo l'a dit, hein, il l'a écrit dans une lettre explicitement à un de ses disciples, il a dit « La pratique agricole devrait être au cœur de tout cheminement spirituel. » Il a écrit noir sur blanc. Et c'est quelqu'un qui en savait un petit bout. Et c'est pour cette raison-là. C'est qu'en fait, il n'y a pas le toi et le monde. Il y a juste une seule chose. On se vit comme des espèces d'émergences séparées. Mais en fait, il n'y a qu'une seule chose. Nous sommes un. Oui. Et quand tu es... Voilà, quand tu es fermier régénératif et que tu plonges sincèrement là-dedans, c'est quelque chose que tu sais par expérience. Voilà. Et donc, le travail, c'est le même. Et c'est ce que dit l'écologie profonde aussi, hein, le mouvement de l'écologie profonde, vous connaissez, enfin, c'est exactement ça. On parle bien d'écologie personnelle. Exactement notamment. Aussi. Alors, moi, j'aimerais bien raconter, si le temps nous le permet, cette petite histoire qu'Eckhart Tolle nous conte quand il va faire une promenade en forêt et qu'il parle de deux formes de savoir pour l'être humain. L'un conceptuel. Quand je marche dans la forêt, je peux connaître le nom de la forêt, le nom des arbres, les plantes, une connaissance conceptuelle de la forêt, et je me connais moi-même dans la forme que je suis. Je peux ainsi nommer, savoir les choses conceptuellement. Mais faire l'expérience de la forêt fait appel à une autre forme de savoir. Dans le savoir non conceptuel, je regarde un arbre et je peux sentir l'état vivant de l'arbre et je peux percevoir autour de moi et sentir le champ d'énergie de la forêt, sans aucun étiquetage. Et au-delà des concepts, sentir la conscience de ce que je suis dans une connaissance plus profonde. C'est seulement par la conscience que je peux sentir la vie autour de moi, en sortant ainsi des concepts, en ne les opposant plus les uns aux autres. On ne nomme plus, on ne juge plus, on n'a plus d'opinion. Et on pourrait appeler cela la connaissance unifiante. Et c'est seulement à ce niveau-là, quand on n'est plus piégé dans les concepts, qu'on peut entrer en empathie. Et en empathie, on ne peut plus infliger de la souffrance aux autres, à la nature, car c'est un peu comme si on se l'infligeait à nous-mêmes. C'est exactement ça, oui. Et c'est j'aime bien cette parabole de la promenade en forêt qui nous montre qu'il y a une conscience, enfin c'est un état de conscience élevé qui permet de prendre soin de... Je souris parce qu'en même temps, je suggère de ne pas mettre trop de mots comme c'est un état de conscience élevé, parce que du coup, tu le formules oui. Également comme un but comme extérieur. Comme un concept. Voilà, comme un concept extérieur, comme un but qu'il faudrait atteindre, etc. Mais c'est tout le temps là, ce truc, en fait. Et là, humilité de nouveau, humilité. Le mental n'est absolument pas capable de voter sa propre mort. C'est important de s'en rappeler, ça. Le mental ne peut pas décider de son propre effacement. Et donc, la seule manière, quelque part, de se guérir de la séparation qui est introduite par le mental, de cette idée de séparation, c'est de faire avec ses mains, c'est de s'engager, d'engager son corps. Voilà. Mais justement, puisqu'on parle de s'engager, si des personnes veulent te rejoindre pour construire ces communs nourriciers, comment on peut... te contacter ou... Bah, peut-être à travers la radio. À travers la radio. Bah, oui, d'accord, volontiers. D'accord. On donnera donc tes coordonnées aux personnes qui peuvent... Et on laissera sur les commentaires YouTube du Café Spirituel les coordonnées. Voilà, très bien. On va faire une troisième pause musicale avant le coup de cœur de Dominique sur Alan Watts.
Donc on se retrouve tout de suite après le chant de la Terre. Alors c'est un enregistrement proposé par la NASA. En fait, ce sont les vibrations électromagnétiques de la planète qui sont retranscrites pour être audibles. Et c'est assez émouvant. Écoutez. Dominique, fais-nous rêver. Non, c'est pas moi qui vais vous faire rêver, c'est Alan Watts. J'adore Alan Watts, c'est mon chouchou. Mais au même titre que j'adore Krishnamurti, Eckhart Tolle, bon, ce sont des gens un petit peu recommandables quand même. Donc. C'était qui Alan Watts? Alan Watts, non, j'en sais rien. Non, j'en sais rien, il était british. Hein. Mmh. Mais il a donné plein de cours, il a raconté plein d'histoires comme la courte que je vais vous... Tu le préfères à Philippe Guillemont. Mais ils se rejoignent complètement. Ils se rejoignent complètement et justement j'ai hésité parce qu'il a plusieurs versions de ce truc. Là c'est le rêve de la vie ou le rêve, The Dream of Life. Et il y a plusieurs versions et j'ai hésité, là j'en ai traduit que deux. Qui se rapproche, hein, mais après c'est dans les détails. Après on parle de Dieu ou on en parle moins, bon, ça peut déranger aussi. Bref, donc on va se lancer sur The Dream of Life de Alan Watts. T'écoute. Je me demande si vous pouviez rêver ce que vous vouliez la nuit. Bien sûr, tu pourrais modifier la perception du temps et introduire, disons, 75 ans de temps subjectif dans 8 heures de sommeil. Je suppose que pour commencer, tu voudrais réaliser tous tes souhaits. Tu pourrais te dessiner ce qui serait la vie la plus extatique, la plus fantastique qui soit. Aventure amoureuse, banquet, voyage merveilleux, des jardins, de la musique inimaginable. Ensuite, après 2 mois de ça, 75 ans par nuit, te viendrait le goût de quelque chose un peu différent. Et tu t'orienterais vers une dimension aventureuse, plus aventureuse,
ou lire en jeu certains dangers, soudain dans ton désir de les appréhender. Tu sauverais des princesses, des griffes, des dragons, et tu t'aventurerais dans de périlleux voyages. Tu fabriquerais de magnifiques explosifs, que tu déclencherais, évidemment. Enfin, tu affronterais tes ennemis, les pires. Après avoir fait ça un bout de temps, tu trouverais une nouvelle astuce pour oublier que tu rêvais. Ainsi, tu penserais que tout ça est pour de vrai. Et ça t'angoisserait. Alors parce que ça serait tellement chouette de se réveiller, tu te dirais, bien, comme des enfants qui se défient, jusqu'où pourrais-je aller? Qu'est-ce que je peux encaisser? Jusqu'à quel point je pourrais me sentir perdu? Jusqu'où je vais le supporter? Donc comme un défi d'enfant, hein. Et tu pourrais te poser la question, parce que tu sais que tu finiras par te réveiller. C'est quand même rassurant, ça donne de la liberté, quoi, dans le délire. Et après avoir fait ça pendant quelque temps, tu te retrouverais assis, ici, dans cette pièce, avec tous tes problèmes personnels d'implication, etc. Tous tes problèmes, hein, à parler avec moi. Comment sais-tu que c'est pas ce que tu es en train de faire, hein? Parce que ferais-tu si tu étais Dieu? Si tu étais ce qu'il y a, le soi, self, ego, le moi. Quand on te demande qui est là, ça, tu dirais, c'est moi. Et tu donnerais ton nom. Si tu étais Dieu, dans le sens omniscient, hein, que tu saches tout, et que tu sois transparent complètement à toi-même, que tu sois sans ombre, tu t'ennuierais. Parce que pour le voir, pour le dire d'une autre manière, si on pousse une technologie à son extrême développement et qu'on est à la place du téléphone sur la table, un système plus élaboré de boutons et qu'une touche puisse te donner tout ce que tu veux. La lampe d'Aladin, quoi. Hein. À la fin, il faudrait que tu insères une touche surprise. Parce que, comme je l'ai fait remarquer, tous les futurs parfaitement connus sont passés. Ils sont arrivés, ils sont advenus, virtuellement, potentiellement. C'est seulement le vrai futur qui est une surprise. C'était Alan Watts. Merci, Dan. Merci. Ben, on est arrivé à la fin de notre émission. Un mot de la fin? Oh, écoutez, ben, d'abord, j'ai beaucoup aimé ce texte d'Alan Watts, qui me rappelle furieusement ce que Ramana Maharshi disait. Il disait, mais finalement... vous êtes vraiment vous-même quand vous dormez, et c'est quand vous êtes éveillé que vous rêvez. Et si j'avais un mot à dire pour la fin, c'est par rapport à la peur. Je veux dire, la période que nous vivons est troublée, hein, clairement. Il y a des échéances peut-être un petit peu ultimes, comme on dit, qui s'offrent à nous, là, devant nous. Le monde ne va pas très bien, notamment écologiquement. Et il y a peut-être matière là à avoir peur, à se désespérer, etc. Mais j'aimerais insister, partager, je ne sais pas si ça peut passer par les mots, sur les ondes, partager cette expérience que j'ai eue de reconnexion avec la nature et de reconnexion avec l'abondance des forces de la nature, parce que cette reconnexion redonne un optimisme incroyable, refonde, on va dire, la possibilité d'une renaissance, même à travers les effondrements, les catastrophes qu'on est en train de vivre, les difficultés qu'on affronte actuellement. Non, je prêche pour une agriculture régénérative, non seulement pour produire des carottes et des légumes, mais surtout pour refonder le sens des vies humaines. La nature, donc, la nature est enthousiaste. Elle est exubérante. Elle est en Dieu. Enthousiaste. Donc, soyons enthousiastes. Merci beaucoup, Christian. Merci. Merci. À la prochaine. Merci.